Vous n'êtes nullement à Dourasso, encore moins à Ombwe, mais plutôt à Malibé 2, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, où le simple éternel problème de la route reste d'actualité. Une situation difficile à digérer par les populations. Et la route, on ne voit pas. Le goudron commence du premier campement jusqu'à Malibé 1. Et ici, comment on n'a pas d'électricité? Il n'y a rien. Et pourtant, on fait partir de la commune d'Akanda, mais nous sommes oubliés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. L'école, il n'y a pas des dispensaires. Il n'y a pas la situation que nous sommes en train de vivre à Akanda. Les responsables politiques sont au courant, puisque à tout moment, on vote le PDG. Koubou a toujours voté à 100% le PDG, mais nous sommes oubliés. La route, qui est un des facteurs du développement d'un pays, serait en dégradation très avancée à Malibé 2. Vivement que les autorités compétentes du ministère des Travaux publics pensent aux populations de Malibé en particulier et du Gabon en général, afin que cette affaire de route, devenue au fil de jour un frein au développement de notre patrie, soit résolue.